Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de congrès qui va donc débuter dès ce matin avec cette conférence plénière proposée par Denis Merclin, que je remercie chaleureusement, pour la réponse positive à notre invitation. Petite information, donc les ouvrages de Denis seront présentés tout à l'heure sur le stand ABF avec une dédicace possible si vous le souhaitez, donc juste après cette conférence qui ouvre notre journée. Je vous souhaite une très belle journée, prolifique à nouveau en échange, en rencontre. Le salon professionnel est ouvert toute la journée, n'hésitez pas à aller voir tous nos partenaires, vos partenaires potentiels également, qui sont à votre disposition pour des présentations, des rencontres, des échanges. N'hésitez surtout pas, ils sont là pour ça. Sans plus tarder, je laisse la parole à Denis Merclin. Merci beaucoup encore une fois à vous. Belle matinée à tous. Bonjour, je me suis mis là parce que sinon il fallait que je tienne le micro à la main. C'est pas pour prêcher la bonne parole. Donc vous m'excusez, mais il faut que je lise. Je voudrais sincèrement remercier l'Association des bibliothécaires de France, c'est-à-dire vous tous, pour ce 167e congrès, de m'avoir invité à y participer. C'est la deuxième fois qu'on m'offre cette possibilité. La fois précédente, c'était il y a plus de 10 ans, je crois, à Nantes, où on m'avait demandé de partager les premiers résultats d'une enquête qui était loin d'être terminée et donc pas encore publiée, évidemment. Et c'était une grande confiance qu'on me faisait déjà à l'époque où j'étais totalement inconnu. Je crois que des personnes qui m'ont fait confiance, comme Florent Chavert, qui est ici, qui ont donné lieu à des amitiés, que je remercie aussi chaleureusement, ont été à l'origine de cette invitation. Merci de m'offrir cette possibilité d'ouvrir une matinée d'échange et de réflexion. Les bibliothèques sont-elles indispensables? C'est la seule chose qu'on m'a dite. Oui, j'ai répondu. Voilà, c'est fini. Mais après, je me suis quand même un peu mis à penser et il me semble que, à la sortie de l'épreuve Covid, après les élections présidentielles qui confirment la présidence de la République dans son projet de réforme d'inspiration libérale de la société et de l'État, dans un cadre d'accélération de la révolution technologique sur notre rapport à la culture, le monde de la lecture, et donc tout particulièrement celui de la bibliothèque, entre dans une conjoncture qui me semble particulière, difficile, où la bibliothèque est une fois encore invitée à se recréer, à se renouveler. Je crois que la bibliothèque est plus indispensable que jamais et il me semble que des pistes de réflexion et peut-être d'action peuvent s'ouvrir en pensant cette conjoncture et ces sollicitations que la bibliothèque reçoit comme une tension entre proximité et distance. Dans un court et célèbre essai, le sociologue George Simmel écrit il y a un peu plus d'un siècle, non pas loin d'ici, à Strasbourg, là où se forment aujourd'hui les conservateurs territoriaux des bibliothèques, à l'INET, dans un essai célèbre, donc Bruck und Tür, Pont et Porte de 1903. Simmel s'interroge sur cette faculté et cette nécessité sociale de lier ce qui est séparé et distant, comme les deux rives d'un fleuve liées par le pont, et inversement de séparer et de distinguer ce qui forme naturellement une continuité, comme lorsque nous fermons la porte pour entrer chez nous, ou lorsque nous pénétrons dans l'espace de la bibliothèque, socialement ainsi distinct de la continuité, ou pourrons-nous dire
du chaos culturel et politique qui nous pousse à instituer un espace autre autour de la culture écrite ou du livre, espace en principe réservé à la lecture. Ce court essai de Zimmel, il fait 5 pages, hein, peut nous aider, je le crois, à penser la bibliothèque telle qu'elle se trouve aujourd'hui, dans ce carrefour que, d'une certaine manière, la caractérise, elle, la bibliothèque, entre le lien et la séparation, et sans coïncidence entre ces termes, entre proximité et distance. Je veux dire, proximité, ça ne coïncide pas avec lien, et séparation ne coïncide pas avec distance. Il y a un jeu de croisement entre ces deux paires de termes. Commençons peut-être par l'écrit et le livre, la presse également. Pas l'écrit sous toutes ses formes, les livres et la presse, et rajoutons tout de suite cette immense forêt tropicale ou cet abyssal océan inembarquable que sont devenus Internet et les écrits numériques. Sans prétendre puiser les fonctions sociales et encore moins les significations multiples de l'écrit, nous pouvons le penser du point de vue du lecteur, sous la logique du pont, qui sépare ce qui se trouve naturellement, qui lie ce qui se trouve naturellement séparé et distant. Le livre communique et lie son auteur à son lecteur, et il dépasse la métaphore du pont en ce sens qu'il lie deux points dans l'espace, mais aussi deux moments dans le temps. Le moment et le lieu de l'écriture, le moment et le lieu de la lecture. Et au-delà, même entre les langues, l'allemand et le français par exemple. Je lis aujourd'hui Zimmel à Metz, 120 ans plus tard, en français, l'écrit donc comme célébration de la distance, car une distance mise en communication par-delà les frontières. C'est donc bien un lien social émancipateur que l'imprimé se présente à nous. Pensons, pour ne donner qu'un exemple, au lecteur de l'Émile ou de la Nouvelle Héloïse, étudié par Robert Darton, à partir de ses lettres des lecteurs, des familles bourgeoises depuis Bordeaux, écrivant à l'imprimeur-éditeur à Neuchâtel pour communiquer avec le Genevois. Ce lien social, à travers le livre, donne des pistes d'éducation de l'enfant et permet ainsi de s'affranchir des formes traditionnelles de la socialisation, de mettre à distance le curé et l'église, la famille et les grands-parents. C'est une forme singulière de l'écrit désormais imprimé qui inaugure un lien entre individus. Il socialise sous une forme et désocialise sous l'autre. La lecture a cette ambiguïté qui lui est intrinsèque de socialisation et de désocialisation. Le lecteur trouve un passage pour se désencastrer de sa sociabilité immédiate et se connecter en société avec d'autres individus lecteurs comme elle ou comme lui. Oui, comme elle, car cette dynamique a eu et continue à avoir un rôle important pour les femmes dans le jeu qui se joue entre proximité et distance. Célébration donc de la communication qui habite une certaine proximité intellectuelle et affective avec l'autre distant, proximité qui n'est pas celle des corps et des embrassades, des repas et de la maison, des lits, des quartiers et des lieux de travail, ni de la salle de cours, ni de la salle de lecture en bibliothèque, qui se prolonge par un café dans un café à côté de la bibliothèque. Une question donc, celle de la tension proximité-distance, qui n'est pas aujourd'hui celle de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais qui y trouve sa configuration actuelle. Proximité-distance, relancée par Internet, qui agit comme un intensificateur du problème et qui nous déstabilise. Et oui, à force de la pratiquer, la lecture de la presse et du livre,
nous sommes parvenus à l'apprivoiser, si je peux dire ainsi, ou à la domestiquer. Aujourd'hui, que faire de mes 2000 amis Facebook ou Instagram? Des entreprises spécialisées dans le lien social par l'écrit. Il paraît qu'on peut se faire beaucoup d'argent dans ce créneau. Et je ne parlerai pas de l'amplification et de l'intensification de ce phénomène par les effets de la visioconférence qui agit, elle, dans le créneau jadis réservé à la radio et à la télévision. Laissons ça aux experts. La bibliothèque s'institue parce qu'elle arrive à fonctionner à la fois selon la logique du pont qui relie les deux rives tenues distantes et distinctes par le courant périlleux de la rivière et selon la logique de la porte. La bibliothèque tend un pont vers ses collections et l'intelligence du bibliothécaire. La bibliothèque donne ainsi accès à l'inaccessible, matériellement inaccessible car le livre est maintenant bien là, à portée de la main, et socialement accessible car quelqu'un a identifié ce lecteur que je suis, à côté de la bibliothèque, et dans l'infini des écrits et des imprimés, celui qui pouvait me plaire, me convenir ou dont je pouvais en avoir besoin. Pour moi, les piliers de ce pont sont faits de ressources matérielles et d'intelligence sociale, des perspicacités. Le bibliothécaire fait la bibliothèque. Le pupitre est mal fait, je ne peux pas poser mon verre d'eau. Et la bibliothèque fonctionne ainsi, je veux dire, c'est sa condition de possibilité, elle peut fonctionner ainsi lorsqu'elle n'est pas un pont, grâce à la porte. Le pont communique deux rives sans les transformer. Le pont relie l'existant, mais le laisse intact. En quelque sorte, sans produire de transformation. En revanche, la porte, c'est ce qui sépare lorsqu'elle se ferme. Mais à la différence du pont, elle opère une transformation radicale de l'espace et de la sociabilité. Car la porte institue un dedans et un dehors qui n'existait pas avant elle. Il n'y a pas de dedans et dehors sans la porte. La porte institue un extérieur et un intérieur. Elle qualifie l'espace et le transforme, et en conséquence, elle introduit une transformation fondamentale dans la sociabilité. La porte crée un espace d'une qualité nouvelle. Si elle peut être ouverte à volonté, si elle peut être librement traversée et qu'elle ouvre un transit dans les deux sens, pour entrer et pour sortir, la porte n'est pas un fermement et l'espace qu'elle délimite n'est pas une prison. Alors, la porte rend possible l'abri et l'accueil en instituant un espace particulier dans la localité, dans l'immédiateté, dans la proximité, dans l'habitat et le voisinage. C'est ce que fait la porte de la bibliothèque. Comme lorsque la porte s'ouvre à la maison, depuis laquelle nous pouvons sortir vers le monde. Mais la porte de la bibliothèque institue un espace radicalement différent de la maison. Et il faudrait faire ici une petite parenthèse sur la maison qui peut être pensée comme un nid, à la manière dont l'a pensé Gaston Bachelard, mais qui peut être aussi lieu d'enfermement et qui est souvent les deux, cette double qualité d'abri, de repère
et d'espaces d'enfermement. Le confinement nous a montré dans sa radicalité cette double qualité de l'espace domestique qui était à la fois la condition de la protection contre un virus porté par la sociabilité, parce que nous échangions entre nous des gouttes de salive à chaque fois que nous parlions, que nous nous embrassions, que nous nous serrons les mains, etc. Donc l'isolement comme protection et en même temps comme source d'oppression et des dangers pour beaucoup. Cette ambivalence de l'espace que la porte délimite, chez soi ou ailleurs, est à tenir toujours en compte. Mais quand même, devant cette qualité générale de la porte, qui ouvre un espace de liberté et en même temps qui peut être oppressif, qui peut en même temps être oppressif, la porte de la bibliothèque, justement, n'est pas celle qui nous extrait et qui nous protège de la ville et du monde avec toutes leurs agressivités. La porte de la bibliothèque nous donne accès au monde lointain. Ces mondes lointains qu'on trouve dans chaque livre, dans chaque écrit. Lieu d'enfermé, l'espace de la bibliothèque projette, ouvre. À condition de pouvoir entrer et sortir librement. La porte de la bibliothèque crée donc un espace où nous accédons à ces ponts qui nous donnent accès au monde sans quitter nos proches, sans nécessité de partir. Contrairement à ce qu'avait entrevu Simmel, nous trouvons dans la bibliothèque à la fois la porte et le pont. Vous l'avez compris, je parle ici de la bibliothèque publique et je pense plus particulièrement à celle à laquelle je pense souvent, à celle qui s'inscrit dans un territoire et qui, par sa présence dans cet espace, contribue à produire une localité. Car la distance et la proximité, vous n'échapperez pas à l'attendue parole du sociologue, ce sont avant tout des proximités et des distances sociales. Ce pont, donc, communique très souvent deux positions dans l'espace social, pour parler comme Pierre Bourdieu, à condition de voir la société comme un espace, comme il le voyait. La manière dont la bibliothèque se pense elle-même et dont elle est sollicitée montre qu'elle habite un espace et un temps d'ambivalence au sein d'une situation qui est tout sauf claire et stable. La porte de la bibliothèque donne accès à un espace singulier. Où se trouve-t-elle? Pourquoi faire? Qu'est-ce que cette porte sépare et à quoi donne-t-elle accès? Jusqu'à une date assez récente, il me semble, et avec beaucoup de force encore, à certains égards, la bibliothèque se pensait peu en termes de localité. Elle s'est pensée plutôt comme une institution à vocation universelle, implantée dans un territoire donné. Elle pensait son environnement en termes de public, qu'elle déclinait au pluriel, les publics et les non-publics. C'est une voie effective, efficace pour penser la bibliothèque, car elle donne cette pensée à travers les publics, dans un territoire, donne des prises d'action à partir d'une connaissance plus fine de ce qu'on est tenté d'appeler la sociologie de la population cible. Alors, comme dans une étude de marché, on segmente la population en autant de catégories, des jeunes, des vieux, des adultes, des hommes, des femmes, des chômeurs, selon leur niveau de diplôme, la ruralité, le périurbain, la métropole, l'origine migratoire.
Et cette segmentation de plus en plus précise, de plus en plus fine, contribue à multiplier la segmentation et à en déduire à la fin, évidemment, que les publics sont divers et qu'ils ne sont pas homogènes. Je pourrais vous dire que cela a peu à voir avec le regard du sociologue, en tout cas de celui que je suis. Ou je devrais vous dire plus précisément que ces données statistiques, la plupart du temps, fournissent certainement des informations indispensables à la mise en œuvre de politiques publiques, telle une politique de lecture publique. Je dis bien indispensable. Mais il faudrait un peu s'autoriser à sortir par petits moments, comme qui sort à la récré, dans la mesure du possible, de ces catégories qui sont devenues des catégories de l'administration et de la politique publique. Non pas parce qu'elles ne soient pas utiles, je me répète, mais parce que les déborder n'est pas sans signification pour l'action et parce que la bibliothèque dispose, heureusement, tel que chacun de ces 67 congrès de l'ABF le montre, dispose donc d'un certain degré d'autonomie et d'autodétermination. Je veux dire que la bibliothèque n'est pas entièrement dépendante des catégories de l'administration et du pouvoir politique. Il y a une façon de définir la bibliothèque, elle est peut-être la plus puissante aujourd'hui, à l'œuvre depuis longtemps, et récemment incarnée dans la loi Robert de décembre dernier. Cette conception est orientée par les valeurs de diversité, de pluralité et de tolérance. Des valeurs aussi essentielles que fondamentales face à un monde de plus en plus traversé par une conflictualité qui prend appui dans la défense des identités et qui conçoit la diversité comme une cohabitation pacifique de mondes qui, en réalité, se replient sur eux-mêmes. Les tentations de censure sont grandes et les appels à la cancellation de ce qui offense frappent à la porte de toutes les institutions de la culture, les bibliothèques comprises. Or, cette conception incarnée donc dans la loi des bibliothèques conçoit l'institution comme un équipement devant servir le lecteur en tant qu'individu, qui se rapproche du livre dans une démarche de lecture pour soi. J'ai envie de dire une lecture qui sert la subjectivité individuelle, souveraine, presque secrète, et non critiquable car toutes les subjectivités se valent. La bibliothèque devient un analogon de l'espace public qui se présente comme une parenthèse, comme une interruption dans un territoire. La bibliothèque est implantée comme un espace public au sein d'un territoire. Elle ne peut pas appartenir à un territoire car l'espace public n'appartient à personne. In fine, la bibliothèque ne peut avoir ni contenu, ni projet, ni identité. Elle se définit comme la place publique, comme un espace ouvert à tous les livres ou à tous les supports, à tous les usagers, à tous les usages. Elle se trouve quelque part, mais n'appartient pas à la localité. Ainsi, elle tend un pont entre l'individu qui y habite et ce qui lui est distant. La bibliothèque de la pluralité, conçue à l'image de l'espace public et du service public, se trouve heureusement aux antipodes du danger identitaire. Elle est comme son antidote. Mais en même temps, en agissant de la sorte, elle s'expose et se fragilise face aux entreprises du net qui opèrent cette connexion individu-monde distant d'un mode bien plus efficace, en deux clics. La bibliothèque espace public s'oppose
idéalement à la bibliothèque d'un territoire, en ce sens qu'elle n'est pas une émanation de la vie locale, qu'elle n'est pas la bibliothèque d'un groupe social, d'un quartier par exemple, comme elle peut l'être dans le cas des bibliothèques que nous voyons créées dans des quartiers populaires d'Amérique latine ou ailleurs, comme des projets militants, souvent impulsés par des enseignants d'ailleurs, ou des bibliothèques souvent associatives dans des petits villages ou des très petites villes en France. La bibliothèque ne surgit pas du territoire, elle y est implantée. C'est en ce sens qu'elle produit la localité, parce qu'elle transforme le territoire par sa présence. Les restrictions à la vie sociale imposées dans la lutte contre le Covid-19 ont porté un coup dur aux bibliothèques territoriales. Pas tant ou non seulement, je suis désolé, par la mise à l'épreuve de ces équipes, et bravo pour tout ce que vous avez fait, mais surtout par la perte de lecteurs que pendant la dernière décennie ou les dernières 15 ans, les bibliothèques et les bibliothécaires avaient réussi à récupérer, à ramener dans les salles de lecture. Ces lecteurs perdus ont certainement fait le choix de la distance et de la connexion directe entre le domicile et la lecture et la culture. Ils ne lisent peut-être pas moins, ils n'ont pas arrêté de lire, ils se passent de la médiation bibliothécaire et ils se privent ainsi de la sociabilité de la bibliothèque, de ce à quoi ouvre la porte quand on la traverse. Ils passent par d'autres ponts. Car pour tous les autres, pour ceux qui restent à la bibliothèque, qui viennent, qui continuent à venir à la bibliothèque, le confinement et les restrictions, tout comme la peur de la contagion, ont actualisé la bibliothèque comme lieu de sociabilité, de rencontre, d'échange, un peu à la manière dont les promoteurs de la bibliothèque troisième lieu la défendent depuis un certain temps. Un peu. Pour que la bibliothèque fonctionne à la fois comme un pont et comme une porte, il faut que cette porte ne serve pas seulement à faire entrer des lecteurs qu'on attendait ou à faire sortir des bibliothécaires à leur rencontre. Elle doit servir à faire communiquer deux moments de vie, deux espaces de qualités distinctes dans un même espace de vie. Les bibliothécaires peuvent bien mieux que la connaissance des profils sociaux des habitants d'un territoire. Il peut parler, discuter, accompagner la vie sociale, familiale, personnelle et collective qui l'entoure. Madame, vous me parliez l'autre jour de votre fille. Je pense que ce film est intéressant pour vous. Rentrer dans la vie collective du quartier, du groupe, et y saisir ses préoccupations, accueillir les voix et les paroles de la vie locale, pour que la bibliothèque soit un espace de son élaboration. Sans trahir ses missions de service public, tout en s'affirmant dans ses valeurs de pluralité et d'ouverture, sans jamais céder aux tentations de censure, d'où qu'elles viennent, d'en haut ou d'en bas, de gauche ou de droite, le traité de la tolérance à la main peut-être, la bibliothèque peut offrir un espace de socialisation politique, doit contribuer à la construction collective des questionnements et des critiques, et a tout à gagner à aider à l'élaboration de points de vue sur le monde qui prennent appui sur l'expérience du monde, qui font ceux qui habitent dans sa localité et qui contribuent à dépasser cette expérience et ses vécus, souvent écrasés par des forces, permettez-moi le gros mot, aliénantes. Il y a un certain temps, au début de la numérisation ou de la digitalisation, Roger Chartier
a qualifié de phare la mission de la bibliothèque à l'heure d'Internet, des écrits numériques et des réseaux. La crise cognitive et des incertitudes résultant du déferlement d'un virus inconnu au niveau planétaire à la vitesse de la lumière, vitesse qui différencie par exemple l'épidémie de la Covid-19 de celle du sida, vitesse de transmission, a remis au centre des préoccupations politiques ce besoin d'orientation. Comme si les fake news et les complotistes ne se suffisaient pas à eux-mêmes, le rêve d'un individu aussi libre qu'indépendant, en réalité seul face à l'écran, s'est vite transformé en illusion, voire en fantaisie. La bibliothèque est donc espace qui s'ouvre derrière sa porte, mais elle l'est à condition que ce qu'on y trouve soit bien plus que des collections et des connexions. La bibliothèque s'ouvre comme un espace d'une autre qualité, à condition que le lecteur y rencontre l'intelligence du bibliothécaire. Une personne avec qui il peut nouer dialogue et tisser des conversations. Le bibliothécaire offrira alors orientation en fonction de ses compétences d'agent de la culture, mais surtout comme résultat de ses capacités socialisatrices. La bibliothèque se reconstruit peut-être alors comme un lieu de sociabilité et de production d'une localité, car elle contribue à la construction de la vie locale. Elle devient un double agent de socialisation, en ce sens qu'elle participe à la construction de deux types de liens sociaux. Celui du proche, de la cohabitation et du voisinage, des personnes en dialogue, en coprésence, ceux qui échangent de la salive entre eux, qui peuvent se trouver pour un repas, une discussion à la sortie de l'école ou du vide-grenier, et celui de l'individu et des institutions qui ne sont pas là, que je ne connais pas et que je ne rencontrerai sûrement jamais, ce lien social médié par des ponts institutionnels et commerciaux, la bibliothèque, la maison d'édition ou la salle de cinéma. Et dans les deux cas, ces liens sociaux de nature symbolique, la lecture, la pensée, l'émotion, l'accès à l'information, la construction d'un point de vue et l'élaboration d'une critique sur le monde, sur mes proches ou sur moi-même, de proximité et de distance, passent par l'élaboration de contenu et par une hiérarchisation collective des contenus. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est secondaire? Le seul espace et la mise en contact avec des documents ne suffisent pas. Merci beaucoup. Je devais laisser un peu de temps pour des questions. Avez-vous des remarques, des questions à poser à notre intervenant? Oui. J'ai perdu. Pardon. Merci pour cette présentation qui lance la journée. Céline Viguier, mairie de Paris. Vous avez parlé de la bibliothèque comme un pont et à la fois comme une porte. Il existe une porte qui est à la fois un pont, c'est le pont-levis. Du coup, si la bibliothèque est dedans ou si elle est dehors, est-ce qu'on laisse les lecteurs dehors ou est-ce qu'on les fait rentrer? Si la bibliothèque est l'expression du monde et l'accessibilité au monde, dans ces cas-là, c'est presque le bibliothécaire qui est ce pont-levis. Du coup, ne devrait-on pas le laisser toujours ouvert?
Allô. Oui, sans doute, la bibliothèque doit être ouverte. Il n'y a pas de doute à ça, mais elle ne peut pas coïncider avec l'espace qui l'entoure. Elle doit se distinguer. Elle impose des règles, elle définit un espace, elle crée des formes de dialogue, de communication, de réflexion, elle accueille des activités. Elle propose aussi. Et donc, oui, la porte doit être ouverte, mais elle doit pouvoir se fermer également. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le craindre. Vous le savez mieux que quiconque, quand des initiatives qui viennent de son extérieur ne conviennent pas, ou des natures, il y a une réflexion permanente chez vous, les bibliothécaires, sur qu'est-ce qu'on va abriter et ce qu'on ne laisse pas rentrer. Et c'est joli et c'est d'une certaine façon agréable de se dire qu'on est ouvert à tout. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça non plus, parce que ouvert à tout, ça disqualifie la qualité de l'espace qu'on a créé et dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'une bibliothèque dont le contenu reste à être redéfini en permanence, et heureusement, mais qui ne peut pas coïncider avec d'autres espaces qui sont d'autres qualités, le supermarché ou l'école, par exemple, ou le théâtre. Ou le stade pour faire du sport. Donc cette qualité d'un espace distinct est essentielle. Bonjour, David Sandoz, médiathèque de Champigny. Je vous remercie pour votre conférence qui était vraiment passionnante, et j'ai l'impression que vous l'avez construit presque comme un épisode de série télévisée, puisque vous finissez par une sorte de cliffhanger où on a envie de savoir la suite sur cette hiérarchisation. C'est pour me faire inviter l'année prochaine. C'est ça. Et cette question de la hiérarchisation des contenus est quelque chose qui ne va pas de soi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment vous concevez ça? C'est vrai que c'est une chute en forme de provocation, parce que je n'en dis pas plus, mais en même temps, cette tâche extrêmement difficile devant laquelle vous êtes, de devoir choisir, de dire ce que vous achetez, par exemple, quand vous faites une collection, quand vous constituez une collection, ou à choisir en équipe quelles sont les activités qu'on va proposer cette année ou ce mois, etc. Ça suppose, inévitablement, qu'on le veuille ou pas, une hiérarchisation, un choix, si on préfère. Et c'est s'abriter derrière la diversité pour dire que on ne hiérarchise pas. Le bibliothécaire, ça c'est une critique que je vous fais depuis un certain temps, peut-être dans vos formations et dans vos identités, ont peut-être un peu excessivement insisté dans la définition du métier par une distanciation avec l'enseignant, qui lui hiérarchise. C'est-à-dire que moi, je dis à mes étudiants pour un cours ce qu'ils doivent lire, et non seulement ce qu'ils doivent lire, s'ils ne lisent pas ce que je dis qu'il faut lire, ben je leur mets zéro. Et en plus, je suis pire que ça, parce que je contrôle la manière dont ils lisent. Donc je suis bien plus méchant que vous, parce que si je trouve qu'ils ont mal lu Bourdieu ou Durkheim, je leur remets un autre zéro à côté du premier. Et donc c'est vraiment faire des choix et hiérarchiser. C'est ce que vous appelez la lecture contrainte, vous autres. Bon, je crois que ça a une certaine productivité, parce qu'à la fin, ils apprennent quelque chose de la sociologie. Si je leur laissais, lisez ce que vous voulez, comme vous le voulez, tous les points de vue se valent, etc., je serais très sympathique, mais je ne serais peut-être pas un très bon enseignant. Et
le bibliothécaire, c'est beaucoup trop pensé comme ces deux pôles, ces deux polarités opposées. Et en faisant cela, peut-être le bibliothécaire s'installe en plein dans sa fonction et ses valeurs démocratiques, des pluralités, de diversité dont on a parlé. C'est ça qui le tient à cœur. Mais en même temps, il s'empêche de la possibilité de construire un espace de sociabilité, d'élaboration commune avec ceux qui sont ses lecteurs. Et il y a des moments où la bibliothèque est chamboulée et que les bibliothécaires sont sollicités justement pour répondre à la question de la hiérarchisation des contenus, des savoirs, des œuvres d'art, des esthétiques, des éthiques, de l'information, etc. La Covid peut en être un exemple. Quelles sont les informations auxquelles on va donner accès concernant, par exemple, une épidémie? Ça peut être une bonne question. Mais l'épisode, par exemple, de Charlie Hebdo vous a mis à rude épreuve. L'accès à une publication n'est pas la réception de ces œuvres, de l'hebdomadaire, par exemple, n'est pas la même en fonction des publics. Et vous avez été tous mis à rude épreuve, ou en tout cas beaucoup parmi vous, quand vous vous êtes abrités justement derrière le traité de la tolérance et que vous vous êtes dit, nous, on est pour la liberté d'expression et on est Charlie et on ne va pas censurer une parole. Et c'est avéré, dans beaucoup des circonstances et des cas, un peu plus difficile à mettre en œuvre qu'on ne le pensait. Même si on est convaincu que cette valeur doit être radicalement défendu, sans concession. Et aujourd'hui, les demandes d'interdiction, d'effacement des œuvres qui se posent par des mouvements sociaux, par exemple, qui viennent à la bibliothèque, vous confrontent à nouveau à la même question. Je pense que bien en amont, la question doit se poser, tout simplement parce que le bibliothécaire doit jouer un rôle primordial qui est celui de connaître le monde dans lequel il agit, la vie sociale que la bibliothèque veut contribuer à transformer. La connaissance de la vie sociale ne peut pas coïncider avec un profilage statistique des catégories sociologiques de la population. L'aide à la hiérarchisation, j'utilise ce mot à dessein, à laquelle je vous invite à prendre un acte consciemment. On est obligé, on est contraint de faire des choix. Ces choix, cette hiérarchisation, cette mise en valeur qui peut changer, qui peut évoluer, qui doit changer, qui doit évoluer, ne peut se faire qu'au contact de la vie qui entoure la bibliothèque. Et pour ça, votre principal outil de connaissance, c'est votre parole et vos oreilles. Beaucoup plus que les statistiques que peut vous fournir l'INSEE ou une boîte de sociologues qui va vous dire des choses très intéressantes et très importantes pour mieux parler et pour mieux écouter aussi, mais qui ne peut pas se suffire à elle-même. Ça va vous aider à constituer un dossier que vous pouvez présenter aux élus ou aux autorités de la mairie en question, certes, et ça a une grande valeur, mais je suis désolé de vous laisser dans l'indétermination et de vous renvoyer à votre condition de groupe politique, en quelque sorte. Eh bien, c'est comme ça que vous pouvez agir et que vous devez le faire. Je ne vois pas d'autre issue. Bonjour, Blandine Canon, région PACA. Je vais déplacer un petit peu le propos de tout ce que vous venez de dire. Vous avez signalé à un moment que les bibliothèques ne dépendent pas complètement des politiques publiques et administratives. Par ailleurs, vous avez écrit un livre « Peut-on brûler les bibliothèques ? Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ?»
en idée qu'on brûle un commissariat, c'est plus logique que de brûler une bibliothèque. En fait, ce n'est pas une question, c'est un témoignage qui me met un peu en colère, donc excusez-moi si j'ai la voix qui tremble. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe à Nice en ce moment. La conservatrice a appris par voie de presse que la fameuse tête carrée, qui est en fait une sculpture habitée et qui contient tous les bureaux, le secrétariat, des salles de réunion, le service informatique de la bibliothèque, elle a appris par voie de presse que la semaine suivante, tout serait déménagé, récupéré par la mairie pour en faire un bar lounge donnant sur la ville. Aucune concertation. Alors, pour rappel, Nice, 5e ville de France, BMVR, 14 annexes, 300 000 documents conservés, conservation partagée des revues sur la région PACA. Enfin, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, elle apprend qu'en une semaine, ses bureaux sont déménagés, que la bibliothèque va être restructurée, 1000 mètres carrés en moins. Les 60 agents de cette bibliothèque sont disséminés sur le réseau ou sur les services centraux de la mairie. Donc, quand on parle des bibliothèques indispensables, quand on parle de dépendance de l'administration, on brûle une bibliothèque d'une façon politique. Et je trouve que cet exemple illustre complètement le sujet de ce congrès, me met très en colère. Et je pense qu'il faut savoir que ça existe encore aujourd'hui, qu'on brûle les bibliothèques de cette manière-là. Voilà. Merci. Je me permets, Claude Poisneau, merci beaucoup pour cette conférence intéressante, stimulante. Et je voulais juste, sur l'idée de cette hiérarchisation, c'est un très beau sujet. Je suis d'accord pour ouvrir la réflexion sur penser ce que c'est que la bibliothèque positivement, la qualité. Enfin, voilà, ça, je trouve c'est, enfin, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, je voudrais juste, j'ai un tout petit peu peur, c'est-à-dire que historiquement, on a on sait bien, la hiérarchisation, elle a existé pendant longtemps, et on a vu aussi les effets sociologiques en termes de recrutement social des publics. Et donc, je pense que, si c'est pour revenir à cette hiérarchisation qu'on mesurait très bien par les enquêtes, puis qui continue d'exister en partie. Je ne suis pas sûr qu'on fasse tellement avancer le sujet. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir ce chantier. C'est une très bonne idée. Mais de mon côté, je pense qu'effectivement, la question, c'est peut-être plus... c'est aussi comment trouver de l'universel, mais qu'il ne soit pas un universel forcément prescriptif. Et c'est pour ça que... je pense que les bibliothécaires ont raison de ne pas être profs. Parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Cet universel-là ne marche pas. Les profs sont obligés de monter les moyennes pour avoir encore un petit peu d'audience, pour pouvoir faire cours. Donc c'est bien le signe que ça ne marche pas, en fait. Donc je pense qu'il faut chercher quelque chose, mais faut faire attention. Mais je pense que c'est aux bibliothécaires de s'emparer du sujet, pas nous. Voilà, mais c'est bien. Merci. Oui, c'est très important que les bibliothécaires ne soient pas profs et que les profs ne soient pas bibliothécaires. Ce qu'il me semble il faut mettre en question, c'est la croyance qui fonctionne comme une croyance partagée, selon laquelle l'ouverture signifie que tout se vaut, et notamment qui peut conduire à un sentiment de démission de la fonction du bibliothécaire,
qui se doit de constituer à la fois un public et des collections, et de les mettre en lien. Et donc voilà, il convient de faire ça sérieusement en l'appelant comme il s'appelle. Ça ne veut pas dire ne pas être dans la pluralité, ça ne veut pas dire ne pas être dans la diversité, ça c'est une forme de hiérarchiser. FIP, c'est pas radio classique, mais le caractère éclectique de FIP ne fait pas de cette radio une absence de programmation. Ils mettent pas, ils tirent pas au sort les morceaux qu'ils mettent les uns derrière les autres. Il y a bien un choix. Et ce choix est très important parce qu'il donne une identité à la radio. Et donc il vaut mieux que ce soit clair et explicite. Parce que la clarté et l'explicitation, c'est la condition des possibilités pour que le bibliothécaire puisse agir avec la population qui l'entoure et dans la vie sur laquelle il veut agir, et donc qu'il se doit de connaître pour pouvoir proposer un espace de transformation. Cela ne veut pas dire que la bibliothèque doit obéir au programme d'un parti politique. D'autres questions, réactions ? Michael Leclerc de la Bibliothèque départementale des Ardennes. Donc, le bibliothécaire doit rendre l'individu apte à saisir les éléments politiques, sociaux qui l'entourent, pour le rendre réellement indépendant. Et les armes du bibliothécaire, c'est la catégorisation de ses actions. Des actions pour tel public, tel public, tel public. Ce qui revient en fin de compte à effacer l'individu. Ça me pose... pour moi, il y a une opposition... je ne sais pas comment faire. Moi non plus. Hein. Sinon, je me candidaterais à directeur de bibliothèque. Je ne sais pas, mais disons, des contradictions, des ambivalences ou des ambiguïtés comme celles que vous pointez, c'est le lot commun. C'est le lot commun. Il est très difficile dans la situation dans laquelle la bibliothèque doit agir de trouver un espace d'action univoque dont le sens soit parfaitement clair pour tout le monde et qui ait des effets, disons, positifs pour tout un chacun. C'est extrêmement difficile. La plupart du temps, eh bien, on est dans l'ambivalence. Ce qui convient à certains ne convient pas à d'autres. Et y compris dans les équipes. Les équipes des bibliothécaires sont loin d'être uniformes, d'avoir toutes les mêmes avis sur comment faire, que faire, etc. Et je trouve que c'est très bien que ce soit ainsi, qu'il n'y ait pas un truc monolithique, ni d'un côté ni de l'autre. Mais j'invite, c'est justement à penser que la bibliothèque n'est pas simplement un lieu ouvert, mais un agent de transformation. La seule existence du lieu ouvert est un agent de transformation. Un agent de transformation sociale d'une nature particulière. Si les bibliothèques n'étaient pas des agents de transformation sociale, là, il faut se dire qu'elles ne sont pas indispensables. Je dirais même qu'elles sont inutiles. En tous les cas, le métier de bibliothécaire nous questionne beaucoup, notamment la diversité des profils. Et ce sera justement la thématique d'exploration d'une des prochaines tables rondes qui se tiendra tout à l'heure à 10h30. Un immense merci, Denis Merclin, pour votre intervention.
stand de l'ABF, accompagné de ses livres pour des séances de dédicaces. Merci. Et puis, j'en profite pour vous donner quelques informations pour les congressistes d'entre vous qui veulent participer à la bibliothèque vivante. Vous pouvez aller également sur le stand de l'ABF pour réserver les livres que vous souhaitez emprunter pour les échanges à venir. Bien sûr, le salon professionnel est ouvert et on s'y retrouve très vite. Belle journée à vous. Merci.